Voilà le ruban de LED, il fait 10 mètres, il a 300 LED dessus, hein. Il est vendu par Schnano. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Donc on peut le voir ici, le ruban de LED, comment il est fait, hein. Ici, il donne des exemples de décorations possibles avec, hein. Donc on voit ici avec les différentes couleurs. Donc on va le sortir de la boîte et on va regarder ensemble. Donc on a un ruban et deux rubans. C'est deux rubans de 5 mètres, donc bien 10 mètres, hein. La télécommande. L'alimentation, le cordon pour l'alimenter, c'est ce qui va nous servir d'antenne pour communiquer avec la télécommande, qui est ici, voilà. Donc, on va regarder les rubans. Donc, là, voilà un. Et voilà le deuxième. Voilà. Donc, on a bien nos deux rubans de LED, donc 2 fois 5 mètres, hein. Donc, ça fait 10 mètres au total. Ici, on a ce qui va nous servir d'antenne, hein, et qui va nous servir aussi pour brancher les deux rubans de LED. Donc, vous voyez qu'il y a ici, il y a la petite notice, parce qu'il n'y a pas d'autre notice que ça en fin de compte, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher les deux rubans de LED. Donc, vous allez voir que c'est très simple, hein. Donc, ici, sur le ruban, on peut voir les LED qui sont ici, hein. Donc, ici, à chaque fois qu'on voit un trait avec des contacteurs, c'est des endroits qu'on peut couper le ruban. C'est pas mal. Ça vous permet de faire ce que vous voulez au niveau de votre organisation, hein. Donc, on va brancher les deux rubans sur cette antenne. Donc, l'antenne, elle est ici, hein. Et ce qui va nous servir à raccorder les deux rubans, c'est ces deux fils-là. D'accord? Donc, ici, on voit qu'on a des endroits où il y a des petits picots. Donc, c'est les endroits qui vont venir se raccorder sur celle-ci. Ici, j'ai pas de picot, j'ai une prise femelle. Et cette prise femelle, si je veux assembler ces deux rubans pour en faire qu'un, je vais venir la relier à celui-ci. Et voilà, comme ça, je vais avoir ce qui s'appelle un seul ruban de 10 mètres. Soit je pars de chaque côté, c'est pas mal au niveau organisation, enfin, ce que vous voulez faire comme décoration. Soit vous partez sur deux rouleaux de 5 mètres, soit vous les rassemblez comme ça, en les rattachant tous les deux, et vous avez un rouleau de 10 mètres que vous faites faire le tour de votre pièce. C'est suivant votre choix, c'est comme vous voulez, hein. Donc ça, c'est pas mal. Donc toujours faire attention ici, vous avez un repère avec une petite flèche, hein. Là, elle est en haut. Là, c'est pareil, elle est de ce côté-là, elle est de ce côté-là. Et ici, sur l'autre partie, vous avez la même flèche, ici et là. Donc vaut mieux bien les mettre ensemble, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous les mettez l'un en face de l'autre et vous emboîtez l'un dans l'autre. Voilà, comme ça, hop, c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce rouleau ici, là. Donc, c'est pareil, je fais bien attention à la flèche. Voilà, je la mets bien. Donc, s'il y a des flèches comme des trompeurs, alors autant les utiliser. Voilà. Et je vais mettre l'autre rouleau ici. Voilà. Donc, c'est pareil, je fais attention à la flèche et je l'emboîte bien. Voilà. Donc, ici, j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai ma petite antenne. Donc, les deux rouleaux. Maintenant, je vais prendre le bloc d'alimentation, qui est ici. Voilà. Je vais le sortir. Donc, il y a pas mal de fils, hein. Donc, voilà comment c'est déjà. Alors, le bloc d'alimentation, je vais venir le brancher ici. Voilà. Le bloc d'alimentation, il est ici. Et là, c'est la prise de secteur. C'est ce que je vais aller brancher, sur ma prise électrique de la maison. Voilà. Donc c'est pareil, là vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Donc vous la mettez bien dedans. Donc voilà, je l'ai bien mis dedans, hein. Donc vous voyez, ça s'emboîte bien, il n'y a pas de souci. Donc le bloc d'alimentation, je vais vous montrer tout de suite de près les informations qu'il y a dessus. Donc nous avons le premier ruban qui est ici, donc les 5 mètres. Deuxième ruban, 5 mètres ici. Entre les deux, on a l'antenne. Le bloc d'alimentation qui est ici. Voilà. Donc là, vous pouvez tout voir. Je vais brancher ça sur le secteur. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez que ça fonctionne déjà. Ça, c'est déjà pas mal. On va laisser tourner pendant que je vous montre la télécommande. Donc la télécommande, la voici. Donc ici, on a le bouton pour on-off, les différents éclairages, plus ou moins d'éclairage, les différentes couleurs. Donc ici, on a les différents programmes pour que le ruban clignote de façon aléatoire, soit rapide, soit d'une couleur, d'une autre, avec des passages plus ou moins doux, etc. Donc franchement, c'est très 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 bien. Donc ici, on a en dessous, on a un petit plastique qui va protéger notre pile, qui va éviter que la pile ait contact. Donc on va l'ouvrir, on va retirer le plastique, voilà. Et la pile qui est en dessous, c'est une petite pile
Donc c'est une petite pile bouton, hein. Enfin c'est une grande pile bouton, voilà. Donc c'est pareil, donc off, donc voilà, je l'ai arrêté. Alors toujours envoyer le signal vers l'antenne, hein. Donc je la rallume, voilà, je l'arrête de nouveau, vous voyez que ça répond très 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 rapidement, hein. Et après, ici, avec les différents programmes, bah, je vais pouvoir la faire clignoter différemment. Vous voyez, c'est plus rapide. Je change encore la fréquence. Alors, attendez, je vais mettre celle-ci ici, celle-ci par ici. Voilà. Et donc, vous voyez que suivant comment j'appuie, encore un autre. Voilà. Et après, on peut monter, descendre. Enfin, par contre, vous pouvez jouer sur tout ce que vous voulez comme couleur. Voilà, là, je l'ai passé au rouge. Là, je l'ai passé au vert. Là, je vais la passer au bleu. Après, ça, c'est des programmes qui sont tous différents. Donc, en mode auto, vous voyez, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. En mode slow, ça va doucement. Vous voyez que l'éclairage change doucement. Si flash, bon, ça va faire des flashs, hein, comme ça, voilà. Et après, vous avez jump. Voilà. Vous avez jump set. Donc, avec cette télécommande, vous avez pu voir qu'on peut faire clignoter notre ruban en LED de différentes façons, un peu comme on veut, hein. Donc, c'est très, très, très bien. Là, je peux revenir au vert. Et avec ce bouton-ci, je baisse l'intensité des LED. Voilà. Et avec ce bouton-là, je vais remonter l'intensité des LED. Voilà, l'intensité lumineuse, hein. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très bien. W, ça va de revenir au blanc. Donc, franchement, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Vous pouvez appuyer sur un de ces boutons pour avoir la couleur la plus proche de ce que vous voulez, hein. Si je veux ici, c'est du mauve. Je vais appuyer ici, voyez, j'ai ça. Si je veux du jaune, voilà, j'ai du jaune. Donc, une très bonne télécommande, un très bon ensemble, hein. Donc là, on a deux rubans de 5 mètres avec un boîtier de réception avec l'antenne et pour disperser les 2 fois 5 mètres. Alors, vous pouvez rassembler les deux rubans LED pour en faire 10 mètres ou 2 fois 5 mètres, c'est comme vous voulez. Ici, on a la petite antenne, le boîtier de réception, l'alimentation, comme vous avez pu le voir, qui a un long fil qui est suffisamment grand. Et une télécommande avec laquelle on peut vraiment tout faire avec, hein. Vous avez vu, on peut changer les couleurs, changer la façon de clignoter, avoir des programmations différentes, trouver la couleur qu'on veut, monter et descendre l'intensité lumineuse des LED et l'allumer et l'éteindre. Voilà, très très bien. Franchement, il n'y a rien à redire. Et à l'arrière ici, comme vous pouvez le voir, on a du double face qui va vous permettre de le coller là où vous voulez, hein. Donc très facile à ôter, vous voyez, hop, je l'ôte et je colle là où je veux. Donc très bien, souple, hein, pas très large en plus. Donc vous allez vraiment faire une belle décoration avec, hein. Donc il est vraiment très complet, hein, sans aucun souci. Très bonne qualité, belle finition, fonctionne très bien. C'est un ruban LED de 10 mètres avec 300 LED, une télécommande 44 touches. C'est vendu par Shinano. Donc c'est un ruban LED que je vous conseille. Et avec ça, vous allez améliorer votre setup ou votre décoration maison. Vous allez voir que ça va être très joli.